Si vous voulez bien, on va retourner dans 1 Timothée et puis on prend le temps de regarder cet épître-là ensemble, parce que je crois que Timothée, Paul avait des choses à communiquer à Timothée qui sont extrêmement importantes pour nous également de nos jours. À travers l'épître que Paul a écrit à Timothée, il est devenu vraiment l'autorité de la parole de Dieu également. Et je crois qu'il est important pour nous d'en prendre considération. Et puis, ce matin, nous allons commencer au 2e chapitre. Nous allons lire ensemble les 8 premiers versets. Et je crois qu'on va regarder ça dans deux volets. On va commencer ce matin, et puis j'ai l'impression qu'on va continuer la semaine prochaine face à ces versets-là, parce que c'est des choses, je crois, qui sont importantes qu'on doit considérer. Et ça nous dit au chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » On te rend grâce ce matin, Seigneur, pour ces paroles que tu nous donnes à travers ton serviteur Paul, qui nous communique, Seigneur Dieu, ce qui est vrai concernant la foi, concernant la vérité en tant que telle. Et notre désir, c'est, comme on l'a chanté ce matin, c'est de faire plier notre volonté à toi en tout temps, en toutes choses. Et on te demande ce matin que nos cœurs soient disposés, que ton esprit soit à l'œuvre en chacun de nous, et qu'on puisse, Seigneur, méditer, muser ta parole, la recevoir et qu'elle puisse porter le fruit que tu désires en chacun de nous. On te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ici, Paul nous fait voir que la charge d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, ce qu'il dit, ça a le rapport avec la foi, la vérité. Et puis, c'est à nous de porter attention également. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne le dit pas simplement à Timothée, malgré qu'il adresse Timothée dans cette lettre-là, mais ça s'adresse à nous également aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on doit tirer de ce que Paul nous fait part? Je trouve intéressant lorsqu'il commence en disant « j'exhorte donc », ça me fait réfléchir à ce qui était en avant. C'est comme s'il donne une suite à ce qu'il a déjà dit au premier chapitre. « J'exhorte donc ». Souviens-toi, tu sais, qu'est-ce que je viens de t'écrire, de te dire, et maintenant « j'exhorte donc ». Et puis, voici ce qu'on doit en déduire pratiquement, c'est ce que Paul nous fait part. J'exhorte donc. Et donc, suite à son initiale exhortation, qu'il a rappelé à Timothée justement l'exhortation qu'il lui avait donnée dans le passé, d'avertir les gens, de ne pas enseigner d'autres choses, de rester attaché à la saine doctrine, hein, de conserver l'intégrité de l'Évangile. Parce qu'il dit, voici l'Évangile qui m'a été confié, et il lui a donné que l'Évangile. L'Évangile qui lui avait été donné de prêcher, qui lui avait été confié. Et puis, il l'a encouragé également à être dans le bon combat, d'être prêt à combattre le bon combat de la foi, et également au besoin d'appliquer la discipline. Et c'est ce qui lui fait part dans le premier chapitre. Et maintenant, il dit, j'exhorte donc. Voici maintenant la suite. Voici
ce que tu dois en déduire. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et si Paul met de l'avant l'importance et la priorité de s'adresser à Dieu dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve. Autant si quand tu fais face à des situations qui sont difficiles, comme il l'a mentionné au premier chapitre, il y avait besoin d'aller et de recommander ou de commander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ce n'est pas toujours facile de faire face à des situations qui, parfois, ne sont pas si bien reçues, n'est-ce pas? Mais on doit, premièrement, s'adresser à Dieu. Il met l'enfance, il dit, « Voici donc avant toute chose à faire des prières, hein, à mettre en pratique, hein, de prier, d'amener devant Dieu, avant toute chose. » Est-ce que Paul dit ça parce que c'était la chose à faire en premier ou simplement qu'il s'adresse maintenant à Timothée? La première chose que je veux te parler, avant toute chose, je veux te mentionner qu'il y a quelque chose d'extrêmement important pour toi de faire ça. Ça ne dérange pas si c'était la priorité première ou simplement première dans ce qu'il voulait communiquer avec Timothée. Ce qui est important de réaliser, c'est que Paul estime la nécessité et l'importance de la prière, hein, d'aller devant Dieu. Il faut se rappeler une chose, que Paul, lorsqu'il a écrit cette lettre-là, comme on l'a vu au début, c'était afin que Timothée sache comment se conduire dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? On a vu ça ensemble au troisième chapitre. J'ai juste mentionné une des raisons pour laquelle je veux qu'on regarde cette épître-là, parce qu'il donne des instructions. Comment on doit se conduire dans la maison de Dieu? Hein? Je pense que c'est important d'avoir une oreille pour entendre. OK, qu'est-ce que l'Esprit nous dit? Comment est-ce qu'on devrait se conduire dans la maison de Dieu? Et une des premières choses qu'il met en lumière, c'est de s'adresser à Dieu. Que ce soit par des prières, des supplications, des actions grandes, c'est de s'adresser à Dieu. Ça, c'est la pensée de Paul. On a besoin de s'adresser à Dieu. Et c'est comme ça qu'on devrait, je crois, se conduire dans la maison de Dieu. Jésus lui-même a dit, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? » Paul dit, « Voici, là, je t'écris afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. » Nous sommes sa maison. Comment on doit se conduire? Première chose, frère et sœur, je crois, qui est important dans la maison de Dieu et qui souvent est négligée, c'est ce temps-là que nous prenons ensemble pour élever nos voix, de s'adresser à Dieu. Une des choses que le Seigneur dit, il est écrit. Et pourtant, nous avons la tendance de négliger ça. Le Seigneur, ce qu'il a mentionné, c'est écrit dans Ésaïe. Si vous voulez bien tenir avec moi dans Ésaïe 56, nous allons lire ce que le Seigneur mentionne. Ésaïe 56, pour le temps, on va simplement lire à partir du verset 7, ça nous dit, « Je les amènerai sur ma montagne sainte. Sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Il dit, « Je les réjouirai dans la maison de prière. » Combien de fois, souvent, lorsqu'on vient à la prière, les gens ne sont pas nécessairement dans la joie ou ils ne se réjouissent pas nécessairement. Et pourtant, ça peut être tellement un sujet de joie. Pourquoi? Dieu a ouvert le chemin. Il nous a donné accès au Père par Jésus-Christ. Imaginez-vous, celui qu'on a professe de dire qu'il a créé les cieux et la terre, qu'il a tout formé, qu'il règne et domine, que nous avons accès auprès de nous. Quelle joie! Et Jésus dit, c'est ce qui va se passer. Hein? Ça a été prophétisé. Je les amènerai sur ma montagne sainte,
Et je les réjouis dans ma maison de prière. L'offre, leur holocauste et leur sacrifice seront agréables sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples ennemis au sein déjà rassemblés. Une des choses que ça serait pas simplement pour Israël, mais il dit, je vais réunir d'autres peuples. Ça me fait penser à ce que Paul dit dans Éphésiens 2, justement, lorsqu'il a fait des deux un seul. Dans Éphésiens 2, ça nous dit, parce qu'il y a leur peuple qui était loin, et puis, on va commencer à lire à partir du verset 15. « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances par ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Sujet de joie, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et Dieu dit, je vais faire ça pour mon peuple d'Israël, mais je vais joindre aussi d'autres peuples. Il a renversé, justement, ce qui était à l'encontre. Autant pour Israël, que pour d'autres peuples. Et là, se joint ensemble, il fait un seul corps, ensemble. Et je pense que Paul, lorsqu'il a mentionné ça, il avait fort probablement ce que, en tête, il était conscient de la parole de Dieu, non seulement ce qu'Isaïe a prophétisé, mais également ce que Salomon avait prié. Salomon, lorsqu'il a dédié le temple, il dit, lorsque les étrangers vont entendre parler de toi et puis qui viennent dans cette maison, il dit, entends-le et exauce-le. Donc déjà dans ce temps-là, Salomon savait que la maison de Dieu serait une maison de prière pour tous les peuples. Pourquoi? Parce qu'il y en a un seul Dieu. On ne s'adresse pas à quiconque. Hein? À n'importe qui, on s'adresse au seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc, Paul met l'accent à faire des prières. C'est pas simplement s'adresser à Dieu, mais le terme qui est utilisé, c'est de s'approcher de lui. De s'approcher de lui. Nous avons une parole qui est certaine, n'est-ce pas? Et quelle est la promesse lorsqu'on s'approche de Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est convaincu? Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on s'approche de Dieu? Jean nous dit, il s'approchera de vous. Dieu est prêt à être en communion avec nous. Il désire cette communion-là. Il désire qu'on s'approche de lui parce que lui-même veut s'approcher de nous. Mais nous marchons par la foi. Ainsi, Paul encourage Timothée, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, de s'approcher de Dieu, d'être en mesure de communiquer avec Dieu, de s'adresser à Dieu personnellement. Le terme supplication fait référence à rechercher, à demander avec ferveur. Hein? Supplication, ça nous donne la pensée d'être fervent. C'est comme Jean nous dit, hein? Qu'est-ce qui se passe avec une prière qui est fervente? Elle est quoi? Elle est efficace. Parce que lorsqu'on est fervent devant Dieu, c'est parce qu'on croit. Seigneur, tu es le seul. Tu es le seul qui puisse faire de quoi. Dans quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, le seul qui peut véritablement nous aider, il peut le faire à travers d'autres entremises. Par l'entremise d'un frère, d'une sœur, par l'entremise de personnes qu'on rencontre. Mais c'est lui seul qui agit. C'est sur celui que l'on dépend. Ça fait penser, n'est-ce pas, à ce que
L'auteur de l'Hébreu a dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Or, sans la foi, il est impossible. Donc, Paul, ici, dit, « Moi, je suis chargé d'instruire les parents dans la foi. » La foi, elle s'approche de Dieu parce qu'elle croit qu'il existe et qu'il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. C'est l'instruction que Paul donne concernant la foi, concernant de s'approcher de Dieu par la foi. Lorsqu'il nous dit également, il dit, par des supplications, par des requêtes ici fait référence à s'exprimer. Ça exprime un accès à Dieu en se confiant en lui. La prière, qui est une conversion de cœur avec Dieu, qui s'est tourné vers Dieu pour plaider sa cause. Mais non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Il est souvent traduit, spécialement dans les traductions anglophones, par intercession au lieu de requête. La King James traduit par intercession et plusieurs autres traduit du requête par intercession, autrement dit, de plaider pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Comme Christ le fait pour nous, n'est-ce pas? Christ intercède pour nous. Il plaide en notre faveur. Alléluia. Et Paul ici nous dit non seulement ça, mais des actions de grâce. Des actions de grâce pour tous les hommes. Mais pas simplement pour les hommes, pas seulement des actions de grâce, mais de le faire pour tous les hommes. Des actions de grâce, je crois, ça parle de notre disposition, de notre attitude. Quelle attitude qu'on devrait avoir lorsqu'on approche Dieu? C'est une attitude de gratitude, de reconnaissance envers lui. Premièrement, le fait qu'il ait ouvert le chemin et qu'on puisse s'adresser à lui. Deuxièmement, le fait qu'on nous connaissons, que nous savons qu'il nous écoute. Lorsque nous savons qu'il nous écoute, lorsqu'on prie selon sa volonté, que nous recevons ce que nous demandons. Donc, nous avons sujet de rendre grâce, d'être continuellement reconnaissant devant lui. Et l'étendue de cette dévotion-là, de notre approche devant lui, c'est pour tous les hommes. Pour tous les hommes. On s'adresse à Dieu pour tous les hommes. C'est certain qu'on ne peut pas faire la liste de tous les hommes qu'on connaît, ou de toutes les personnes qu'on connaît. On serait 24 heures sur 7 jours semaine, on pourrait prier continuellement. Ça nous dit de prier sans cesse. Mais dans notre approche à Dieu, je crois qu'à travers son corps, tous les hommes sont couverts dans un sens. Vous allez prier pour des personnes que je ne prierai pas. D'autres vont prier pour des personnes que vous ne priez pas. Et à travers son corps, je crois que Dieu voit que son Église, elle est présente et intercède et prie et le supplie pour les hommes. Pour les hommes. Et je me demande, lorsque Paul écrit ça, et puis que Timothée reçoit cette lettre-là, moi, ce qui me vient à l'idée pour tous les hommes, même ceux que j'ai avertis, que j'ai recommandé de ne pas enseigner votre doctrine. Même ceux qui se sont égarés, hein, ou ceux qui ont fait le naufrage, de prier pour tous les hommes. Frère, ça, pour ceux qui étaient ici, des fois, on a passé des moments qui étaient difficiles, il y a des gens qui nous ont quittés, il y a des gens qui sont allés au loin. Mais on a une responsabilité devant Dieu de prier même pour ces personnes-là. Jean dit, il y a un seul péché pour lequel ne pas prier. C'est ce qu'il dit dans son épître. Et Jésus nous a démontré le péché pour lequel personne ne peut pardonner. Ça, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Tous les autres péchés, Jésus dit, vont être pardonnés, même les péchés des blasphèmes contre le Fils de Dieu. Mais lorsqu'une personne blasphème l'Esprit, l'œuvre, de Dieu par l'Esprit dans le monde, ça ne serait jamais pardonné. On doit prier pour les adversaires. Il fait part de ça dans la deuxième épître. Parce qu'il y en a qui sont des adversaires et un soldat de Dieu doit vraiment essayer de les emmener
de leur enseigner de façon que Dieu leur accorde, si Dieu leur accorde la repentance et qu'ils reviennent dans leur bon sens et se dégagent des pièges du diable. Je crois qu'il est important pour nous de prier pour tous les hommes. Des fois, c'est difficile, n'est-ce pas? Et ça devient de plus en plus difficile, spécialement lorsque, ici, Paul nous dit spécifiquement pour qui prier. Ça peut être facile de prier pour plusieurs personnes, mais pour ceux qui sont en autorité, ce n'est pas toujours évident. C'est comme si Paul ici le mentionne spécifiquement. Il dit pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. En fait, c'est difficile de prier pour ceux qui sont en autorité parce qu'on n'est souvent pas d'accord avec eux. Et puis, on aimerait mieux que être des Jonas à ce moment-là. Hein, Seigneur, oh, oh, zap! C'est vrai? Soyons honnêtes. Il y a des fois qu'on aimerait mieux que la vengeance de Dieu soit sur eux que pour nous de prier pour nos ennemis, que Dieu les bénisse. Hein, quand est-ce que vous avez prié pour vos ennemis que Dieu les bénisse? Pourtant, c'est ce que Jésus nous a enseigné de faire. Et ici, je crois que Paul mentionne les rois et ceux qui sont élevés en dignité dans un temps où ce n'était pas facile. Il a mentionné ces choses-là parce que qui était l'empereur dans ce temps-là? C'était Néron. Néron était un homme cruel, despotique. Il n'a pas hésité de mettre sa mère à mort ou son demi-frère. Il y a des questions là-dessus, mais quand même, sa famille, ça me l'a bien dit, il n'y avait pas d'attachement pour lui qu'il avait la puissance, pour lui qu'il était élevé, pour lui qu'il allait être celui qui est en contrôle. Donc, ce n'était pas une chose facile dans ce temps-là. Et même cette année de Néron, justement, que Paul et même Pierre, on croit qu'ils ont été mis à mort. Il n'hésitait pas aucunement dans ce temps-là pour blâmer les chrétiens pour le feu qui est arrivé à Rome. Hein? Il a complètement fait dévier le blâme vers les chrétiens et ils ont mis dans l'arène pour se faire manger par les lions. Il y en a qui se sont fait décapiter, crucifier, et il y en a d'autres qui sont servis comme des torches dans son jardin. Ils brûlaient vivants, brûlaient vifs. Donc, lorsque Pierre mentionne, Paul mentionne ces choses-là, frère et sœur, j'imagine que même dans la tête de Timothée, malgré que Timothée a été avec Paul continuellement, mais il lui rappelle, hein, j'ai dit ça, donc à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, et pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en honnêteté. Afin que nous menions. Je regardais la connexion de ce terme-là, afin que nous menions. Parce que des fois, on peut dire, ah, mais je prie les autorités afin que j'ai une vie paisible. Hein, que j'ai une vie paisible, que ça soit plus facile dans la vie. Il y a certainement cette pensée-là. Mais je crois que ça va un peu plus loin que ça. Parce que le terme vient d'un mot qui dénote l'idée de démonstration. Donc, non seulement qu'on prie, oui, que le Seigneur aide-nous à travers ce qu'on vit, et puis qu'on ait une vie paisible, une vie tranquille, en toute piété et honnêteté. Une vie honorable, pure. Mais je pense également que la pensée de Paul, et peut-être je me trompe, mais je ne pense pas, mais la pensée de Paul, c'est qu'on soit un témoignage d'une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Une vie honorable,
Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Paul a enseigné dans d'autres classes. Allez avec moi dans 1 Thessaloniciens. Paul leur dit que je n'ai pas besoin de vous enseigner sur l'amour fraternel à partir du verset 9. Je n'ai pas besoin de vous en écrire parce que vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que vous avez fait au verset 10 envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, on est rendu au verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de rien. Donc, c'est une chose que Paul exhortait les églises de vivre tranquillement, de vivre paisiblement, de vivre honnêtement. Et je pense ici que Paul, lorsque je lis ça, et spécialement parce que ça vient de l'idée d'une démonstration, qu'on démontre une vie. Prier pour eux, mais entre-temps, ça nous mène également de vivre une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et c'est ce que Paul voulait que les Thessaloniciens fassent, et je crois qu'il rappelle et il exhorte justement Timothée de faire ces choses-là. Et voici la raison pour laquelle je pense que c'est la ligne de passée. Premièrement, parce que ceux qui sont en autorité, qu'ils soient justes ou injustes, ne doivent jamais déterminer notre conduite face à Dieu. Parce que c'est simplement de prier afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Lorsqu'on n'a pas une vie paisible et tranquille, est-ce que ça nous donne une permission de ne pas vivre une vie tranquille et paisible? Parce que, oh, mais là, ils sont méchants, ils sont vraiment horribles, ils sont injustes. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une vie tranquille. Je pourrais même être révolté et... parce que la cause est bonne, ils sont des... Je n'ai pas peut-être le mot, là. À part de... Des fois, ils pensent qu'ils sont pourris. Hein? Donc, si je ne démontre pas la paix et la tranquillité, c'est correct, parce que là, les autorités... Là, je prie pour eux autres, mais... Non. Paul dit à Timothée de prier pour eux afin que nous menions une vie tranquille. Ça ne dérange pas ce qu'eux font. Ce que Néron a fait, ça n'a pas dérangé la vie paisible et tranquille de Paul, de Timothée, de ceux qui ont marché avec Dieu. Et certainement, ça n'aurait jamais affecté notre piété. N'est-ce pas? Ou notre honnêteté. Les gouvernements sont tellement croches que moi aussi, je vais être croche. Ça me donne la permission d'être croche. Fait que je vais être mis en dessous de la table. Est-ce que la raison, parce que les gouvernements ne sont pas corrects, ne sont pas justes, ça me donnerait la permission de ne pas être pieux et de ne pas être honnête? Absolument pas. Mais je crois que ça devient le témoignage de notre vie, que malgré tout ce qui peut se passer, frères et sœurs, nous demeurons dans la tranquillité paisible. Hein? Parce que le Seigneur nous dit, lorsqu'on prie, qu'est-ce qui se passe? Paul nous dit, il dit de prier, n'est-ce pas? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Hein? Toute intelligence. Donc, on prie, frères et sœurs. Mais ça ne change pas notre tranquillité si les hommes font le mal. Absolument pas. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. C'est deux. On l'a lu la semaine passée, mais je pense que comme Daniel dit, des fois, il est important de relire et vraiment considérer. Voici ce que la grâce de Dieu nous enseigne. À partir du verset 11, titre 2, ça nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à faire seulement ce qui est droit quand les rois agissent bien. »
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. C'est ce qu'on attend, frères et sœurs. J'attends pas que les rois ou que les rois fassent ce qui est bon aux yeux de Dieu. C'est pas mon attente. Mon attente, c'est la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. La même expression, afin de... Une similaire expression, je reviens. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Donc, la pensée, je crois, ainsi que Paul communique, oui, on prie, Seigneur, les choses, Père. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on sait ce que Dieu veut, ce n'est pas des choses qui sont mal. On prie pour ceux qui sont en vie. Oui, on essaie d'avoir une vie qui est paisible et tranquille. Mais ça ne dérange pas. Ça n'est pas basé sur les rois et ceux qui sont les grandes dignités. Notre témoignage devrait être, mais quel témoignage. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vous a dit, à travers tout ce qui vous passe, à travers ce que vous vivez, ou à travers les situations, les circonstances de la vie présente, vous avez une paix que je n'ai pas. N'est-ce pas un témoignage? Vous êtes tranquille, on dirait que ça brasse de tous les bords, de tous les côtés, mais vous demeurez tranquille. Vous continuez de marcher dans la piété, dans l'honnêteté. Donc on prie. Et Dieu également fait son œuvre en nous, n'est-ce pas? Je pense que la prière nous garde d'avoir recours à des moyens charnels. Je mentionnais l'autre jour à mon fils et à mon neveu que dans ma chair, ayant grandi dans les années où il y a eu des choses qui n'étaient pas nécessairement les meilleures au Québec, et ayant vu justement la révolte qui s'est passée dans le temps du FLQ, ces choses-là, j'aurais été beaucoup plus porté d'être sur ce bord-là. Et des fois, je suis étonné de voir, et c'est là qu'on voit que vraiment le conditionnement qui ça fait des années que c'est comme ça, que les gens sont conditionnés, parce que je suis surpris de voir avec tout ce qui se passe, qu'il n'y ait pas des gens qui se révoltent. Vraiment surpris. Voyez-vous, dans ma chair, ça serait la venue à travers laquelle je pensais, de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Il faut montrer à notre gouvernement qu'est-ce qui doit être fait. Mais la prière nous garde de choisir cette venue, ces moyens-là. Là, avec moi dans Romains 12. À partir du verset 17, nous disons ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa terre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Est-ce que je peux vous suggérer que le bien que Paul annonce ou enseigne Timothée, c'est d'aller devant Dieu, s'approcher de Dieu, s'adresser à Dieu avec la prière, des supplications, des requêtes, avec des actions de grâce. Amen. On ne doit pas se tourner vers ces choses-là. Et même, je crois que le Seigneur nous enseigne ça dans sa parole. Lorsque Jésus a été arrêté, qu'est-ce que Pierre a fait? C'est pour ça que je vois des fois dans Pierre un tempérament similaire que j'avais.
Zéro, zéro. Pour pleurer. Ça a été là-dedans. Et je comprends Pierre, pourquoi il agit de cette façon-là. Il allait saisir son maître, il allait saisir son Seigneur, il allait saisir celui qui allait marcher avec. Il allait le saisir, sans cause. Et Pierre dit, on fait ce qui est juste. Vous ne devriez pas le saisir. Hein? Et qu'est-ce que Jésus dit? Ne boirai-je pas la coupe? N'accomplirai-je pas vraiment la volonté de mon Père? Dans Matthieu, ça dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père et qu'il me donnerait 12 légions d'anges? Qu'est-ce que tu fais là avec ta petite épée? Hein? De prendre ça entre tes mains. Frère et soeur, les situations que l'on vit en ce moment, même aussi mauvaises qu'on a l'air, on doit mettre ça aux pieds de Dieu. Et de croire que Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Et Paul l'a vraiment vécu, parce qu'il savait, Néron, ce n'était pas un homme qui était bon. Mais il avait sa confiance en lui. Une autre raison pour laquelle je crois que c'est la pensée de Paul, c'est parce qu'il nous dit justement, on est dans 1 Timothée, au 2e chapitre, regardons ensemble le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et mauvaise pensée. Parce que ça, c'est charnel. On sait que la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Sans colère, ni mauvaise pensée. À combien de fois j'ai dû vraiment. Discipliner ma pensée pour ne pas avoir des pensées mauvaises. Hein? Ils sont entrés, mais fais pas de nid là. Hein? Les oiseaux passent, mais ils n'ont pas besoin de faire un nid. Les pensées entrent dans notre tête, mais ils n'ont pas besoin d'être logés là. Hein? Ils n'ont pas besoin de faire leur habitation dans nos pensées là. Mais je confesse, oui, il y en a des choses qui rentrent dans la tête. Mais lorsque je considère la parole de Dieu, je dis, oh, Seigneur, la meilleure chose à faire, c'est de prier. Hein? C'est au-delà. Parce que Dieu peut envoyer 12 légions d'anges. Élisée l'a montré à son serviteur, il dit, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il puisse voir vraiment là où est le combat. Et qui c'est qui combat pour nous? Paul nous a dit, notre combat n'est pas dans la chair et le sang, n'est-ce pas? C'est pas dans la chair et le sang. On dépend de Dieu. Les Israélites, quand ils étaient poignés, là, ils n'avaient pas nulle part à aller. Dieu, Moïse n'a pas dit, bon, mais là, il faut que je pense avec un plan, il faut que je démontre que j'ai de la foi, ouvre la mer. Non. Dieu lui a pardonné. Et Moïse a obéi par la foi, dire, OK, ouvre la mer. Dieu lui a dit exactement quoi faire, mais c'était une situation qui était impossible. Mais nous croyons justement dans le Dieu de l'impossibilité, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'impossible avec Dieu, frères et sœurs. Est-ce qu'on croit ça vraiment? Oui. Donc, faisons ce que Paul nous dit de faire, ce qu'il a conseillé à Timothée de faire, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Lorsque je pense qu'il parle de tous les hommes, ça veut dire vraiment tous les hommes, parce qu'on va tous rencontrer différentes personnes, puis ça va nous emmener dans différentes situations, et on a besoin de prier pour chaque situation. On va essayer d'accélérer un peu. Hein. Lorsque Jésus est allé à la croix, frère et sœur, je peux vous dire qu'il est allé sans résister. Il n'y a pas dit, oh, attendez une minute. Hein. Non, il est allé sans résister. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il faisait ce que Dieu l'appelait à faire. Ce qu'il était destiné à faire. Plutôt que se tourner vers les filles de Jérusalem. Malgré qu'il a été accusé de révolte, n'est-ce pas, ou d'amener le peuple à la révolte. C'était une des accusations qui était portée vers lui.
Jésus, plutôt, il s'est tourné vers les gens, des petites filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Et lorsqu'il a été mis à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'en est remis au Père, dans la prière, même il prie pour leur pardon. Donc, je pense que lorsque Paul mentionne ça, ce que je vois, c'est que lorsqu'on vient devant Dieu, malgré toutes les situations qu'on peut vivre, que ça démontre notre recours au secours de Dieu, plutôt que de prendre les situations entre nos mains. Ça démontre notre recours au secours de Dieu, Seigneur, toi seul. On chante souvent dans les psaumes, n'est-ce pas? On aime lire les psaumes. Le psaume 113, ça nous dit « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Ésaïe a prophétisé pratiquement la même chose dans Ésaïe 37, il dit « Le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. » Psaume 121, ça nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Jérémie, dans l'annotation, il dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Je pense que la pensée de Jérémie, lorsqu'il écrit ça, d'attendre en silence, c'est d'être en révérence. C'est pas d'être pressé de prier comme on pense qu'on devrait prier, mais vraiment d'être « Ok, Seigneur, tu vois, là, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. » Ça ne veut pas dire de ne pas communiquer avec Dieu. Mais tu es en silence. Tu es prêt à écouter. Tu es prêt à entendre ce qu'il a à dire et de prier en accord avec sa volonté. Donc, ça manifeste, je crois, notre entière confiance en Dieu. Dieu domine. Êtes-vous d'accord avec ça? Dieu domine. Il est souverain. Allez avec moi dans Daniel. Tu vas lire ça cette semaine, Denis. Mais tu commences à lire Daniel. Daniel au deuxième chapitre. Au verset 25, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Il change les temps, il renverse. C'est lui qui établit les rois. Paul a dit exactement la même chose. Toute autorité établie, c'est Dieu qui l'établit. Donc, on a confiance. Dieu est celui qui domine. Regardez avec moi dans Daniel 4. Encore une fois, maintenant, il parle de Nabucodonosor. Concernant le rêve qu'il avait eu. À partir du verset 24, on lit « Voici l'explication qu'on voit, voici le décret du Très-Haut, qui s'appliquera sur mon Seigneur le Roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé dans la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. » Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Dieu domine. Est-ce qu'on a confiance que Dieu règne, que Dieu domine? Hein? Qu'il est souverain au-dessus de tout ce qui se passe. Hein? Il est au-dessus de tout. Hein? Comme Paul l'a dit, toute autorité, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
Mais dans Apocalypse 1:5, ça nous dit que Jésus est le prince des rois de la terre. Il est au-dessus de tous les rois, de tous ceux qui sont élevés en dignité. Jésus est le chef. Il est le prince de toutes ces personnes-là. Et il œuvre même à travers eux pour l'accomplissement de sa volonté. On achève. Le cœur du roi, en Proverbe 21:1, ça nous dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et l'incline partout où il veut. Dieu œuvre, même à travers cette personne-là, dans l'accomplissement de sa volonté. On va terminer avec deux passages. Celui-là avec moi dans Ésaïe 10. Et je vais essayer de couper un peu la longueur des passages. Mais à partir du verset 5, ça nous dit « Malheur à l'Assyrien, Ésaïe 10. Malheur à l'Assyrien, verge de la colère. La verge de sa main, c'est l'instrument. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, c'est-à-dire contre son propre peuple. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme de la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. » Si on descend un peu plus bas, à partir du verset 12, ça nous dit, « Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, » voyez-vous, le Seigneur œuvre à travers l'Assyrien. « Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » Si on descend au verset 15, je ne parle pas le temps de tout lire, mais le verset 15, ça nous dit « La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soudait celui qui n'est pas du bois. » Donc, le Seigneur, les rois de la terre sont comme, n'est-ce pas, un courant d'eau dans sa main. Il l'incline partout où il veut. Le Seigneur peut se servir d'une personne et d'une autre personne, des rois, de ceux qui sont en autorité de gouvernement, justement pour accomplir sa volonté. Et on sait qu'il est en train de l'accomplir. Mais également, la raison pour laquelle je crois que Paul met une emphase sur la prière, parce que le Seigneur met une emphase sur la prière. Dans Luc 18, on connaît bien le passage, mais je pense que ça vaut la peine de terminer avec ça. Dans Luc 18, au verset 1, ça dit, « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et le point sera lâché. » Avez-vous remarqué, je ne sais pas, dans votre vie personnelle, une des premières choses souvent lorsqu'on vit des moments extrêmes, une des premières choses souvent dans la vie des gens, c'est de se relâcher dans la prière. Au lieu de s'adresser à Dieu, de s'approcher de lui, de plaider devant lui, on se relâche. Je pense que Louis II, 1910, a dit « se lance », quelque chose comme ça, non? Non? Peut-être que je fais une erreur. Deuxième verset, ça dit, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit,
Et ne tardera-t-il, et tardera-t-il à leur égard, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est comme le Seigneur ici, on a une part et que Dieu écoute nos prières. Et comme il peut se servir de notre cerveau pour accomplir son œuvre, il se sert de nos prières, il se sert de nous dans la prière pour l'accomplissement de sa volonté. Pour ça que j'ai dit, quand vous priez, priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on va terminer avec ça ce matin. Alléluia. Je serai prêt. Parce que Paul nous fait mention, c'est une charge qu'il a d'instruire dans la foi et la vérité. Et ce qu'il met comme, ce qui est le plus important, qui démontre vraiment, je crois, notre foi. Pour ça, je lui ai dit, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que le Fils de l'homme va trouver la foi? Et c'est dans un contexte des gens qui s'approchent de Dieu, qui prient, qui croient. Je pense qu'on est rendu en même temps, frères et sœurs, là où on a besoin en tant qu'Église. Et c'est pas probable que le Seigneur est en train de nous emmener, justement, dans ce temps-là, dans les situations là, où on, simplement on veut vraiment s'approcher de lui, s'attendre à lui et de le voir agir. De voir ouvrir des mers rouges. Parce qu'on est en train de. Dans ce qu'on est en train d'entrer, frères et sœurs, on va avoir besoin de voir la main de Dieu. La main de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre ici?